Et 10h54, l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray, Raphaël Antoven. On accueille tous les matins des stars qui viennent exprès pour notre invité. Et ce matin, c'est Yann Barthès qui a tenu à passer vous voir. Bonjour. Ouh là là, vous publiez un nouvel ouvrage qui s'intitule « Qui est Fabien Roussel ?» Suspense. Oui, car comme le disent les plus éminents scientifiques de la planète, il existe trois questions sans réponse. Est-ce que Dieu existe ? Qui est arrivé en premier ? La chaise du studio ou les fesses de Philippe Vandel ? On est ensemble. Et enfin, qui est Fabien Roussel ? Avec les équipes de Quotidien, on a voulu vous aider à répondre à cette question, Raphaël, en demandant à des personnalités ce qu'elles pensent de Fabien Roussel. Bonjour monsieur, mais qui êtes-vous ? Oui, bonjour. vous savez comment je m'appelle ? Moi, oui. Président de la République, le changement c'est maintenant ? Les cravates de travers ? Oui, merci monsieur de nous laisser travailler. Les sorties sous la pluie, Valérie sous anxiolytique ? Le scooter ? Le scooter, oui c'est ça. Circulez monsieur, il y a toujours des types bizarres qui veulent faire du buzz. Allez, on va voir Mademoiselle Chiappa. Putain, le mal toxique quoi. Il m'appelle Mademoiselle quoi. Saut 2016, quoi. Moi, c'est Marlène Bolos. Alors Fabien Roussel, c'est pas une marque de sextoys ? Non, laisse tomber, je confonds avec Marc Dorcel. Non, Fabien Roussel, c'est le candidat du Parti communiste, Marlène. Bah, c'est comme un sextoy au final, parce que ses électeurs, ils vont l'avoir profond. Merci, Marlène. Qui s'engage pour l'égalité des sexes en nous montrant que les femmes peuvent être aussi lourdes que les hommes. Vous souvenez pas de moi ? Manuel Valls qui avait un boulot, la Corrèze, Julie, le Flamby, le régime qui n'a pas marché. J'ai entraîné le PS dans ma chute. Ah, ok, pardon, vous êtes Lionel Jospin, ou Dominique Strauss-Kahn, ou Jérôme Cahuzac, ou Jean-Marc Ayrault, ou Anne Hidalgo. Bref, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'en sais maintenant plus sur qui est Fabien Roussel, qui est le titre du livre de Raphaël Antoven. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.